T'as quoi comme possibilité de photo que tu peux faire pour du corporate? Bon, là, à mon avis, il y a le portrait. Voilà, il y a le portrait, il y a le reportage un petit peu d'illustration dans les ateliers, dans les entreprises, etc. Ouais. Donc parfois, c'est des portraits, mais sans regard caméra comme ça. C'est plus des portraits où la personne est en train de travailler, tu vas la prendre en train de travailler. Tout à fait. Tu vois, c'est en situation. Ouais. D'ailleurs, il doit y en avoir un petit peu plus loin, je pense. C'est pas impossible, voir. Je sais plus. C'est possible. Et voilà, après, c'est de l'illustration où des fois, il n'y a pas forcément de visage. C'est ce que tu vas tomber sur les Adobe Stock ou ce genre de choses, où tu as juste une main avec un stylo en train de signer, tu as juste une poignée de main, ça peut être ce genre de choses. Ah, ça t'arrive aussi éventuellement d'en faire des photos de stock ça arrive. Je ne les ai jamais proposées en stock, mais c'est pour donner l'idée de ce que ça peut être aussi. Ouais, bien sûr. Ah oui, si sur le site on a besoin, enfin sur le site ou sur une plaquette, il y a besoin par exemple de dire voilà, on peut signer un contrat ou faire machin, etc. Bah, quelque part, ce type de photo va venir illustrer. Parce qu'à première vue, c'est le genre de photo, on va dire, pourquoi je paye pour ça? Enfin, ça sert à rien. Et en fait, ça va venir illustrer un message, en fait, sur le site ou sur les plaquettes. Donc, c'est important, ouais. C'est de l'illustration, ouais. C'est ça. Et t'as jamais pensé, comme ça, à proposer des photos, justement, sur les stocks ou c'est un truc qui t'intéresserait ou pas du tout? Non, parce que j'en ai pas fait énormément. Des photos qui pourraient correspondre à ça. Et puis le système du stock, c'est un petit peu particulier. Il faut s'en occuper. Il faut, ouais, je sais pas. Ouais, je m'en suis encore jamais trop penché dessus, j'avoue. D'accord. Ouais, non, je crois que si j'ai bien compris, il faut en vendre énormément pour ne serait-ce que faire 10 euros. Donc, je m'étais un peu renseigné très rapidement, mais effectivement, ouais. Je crois que ceux qui en vivent bien, c'est ceux qui mettent 10 000 photos par mois sur les stocks. Ah oui. Donc, faut quand même charbonner pas mal pour. Organiser des shootings spécifiquement pour ça, avec des thématiques de couleurs, avec des comédiens, avec des machins, etc. Donc c'est assez, au final, c'est un boulot à plein temps, quoi. Mais il faut mettre vraiment énormément. Et, bon, après, ces gens-là en vivent bien. C'est juste qu'il faut de la photo vraiment, j'ai envie de dire, du tout venant, mais pour la bureautique et pour l'illustration, quoi. Ouais. Ça va être, non, mais je me suis jamais penché dessus. Téléphone, etc., quoi. Mais oui, c'est un peu les rapports que j'avais eu aussi, c'est que c'est faut mettre beaucoup de photos pour tirer un peu de sous, donc pas forcément beaucoup non plus. Voilà, donc si moi j'en ai une dizaine sur mon serveur, voilà, ça sert à rien que j'y passe du temps, tu vois. Ouais, c'est ça.